Les physiciens décrivent l'espace-temps comme un univers bloc où le passé existe toujours et où le futur est encore là. Ça implique qu'après la mort, notre vie existe encore. Le silence est l'endroit où on va retrouver les informations dont on a besoin. Qui a une responsabilité au-delà de son état de vie actuel. Selon moi, après 15 ans de recherche, j'en arrive à la conclusion qu'on ne vient pas dans un corps physique une seule fois. Hors de l'espace et du temps, il n'y a absolument aucune raison de penser que la conscience s'éteint, parce que pour que la conscience s'éteigne, il faudrait que le véhicule n'existe plus. Or, le véhicule, justement, de la conscience qu'est l'âme, continue d'exister. Il faut élargir la vision qu'on peut avoir de la vie. Je pense que ce n'est pas question d'un autre monde, d'une autre réalité. C'est simplement la même réalité, le même univers et qui fonctionne à multifréquence. On a là une banque de données, d'informations qui est gigantesque. Pour pouvoir faire la paix sur la Terre, il faut commencer par observer la guerre qu'on porte en soi.